Atelier Géodesign, bonjour. Aujourd'hui, covering en direct sur une Mégane 4 sur laquelle j'ai déjà fait un covering sur la partie ci, sur le logo Renault puisqu'il était en chrome, donc covering noir laqué avec la petite déco noir satin métallisé. Ensuite, covering du pavillon dans cette même teinte, des coques de rétroviseur également, des baguettes de vitre en noir laqué. Le toit se termine comme ça. Ensuite, covering pareil du petit logo en noir laqué. Il faut encore que j'y ajoute le petit monogramme Renault, et donc on va s'attaquer au diffuseur. Donc tout a été nettoyé, dégraissé. Le scotch en périphérie, il est là pour éviter que le covering ne colle trop fort sur les bords, puisque ce sont à ces endroits où on a besoin justement de manipuler le film. J'ai fendu mon liner en deux afin de commencer la pose par le milieu et que tout mon vinyle adhésif ne colle pas sur la carrosserie tout de suite. Ça c'est une technique perso. Enfin, c'est une technique perso. Parce qu'on a assez de matière pour aller au bout. Ouais. Thank you.
Thank you.
Donc voilà, vous avez compris la technique. Une fois que j'ai déformé le film, alors là on a vraiment tiré dessus, on l'a chauffé, il va falloir ce qu'on appelle casser la mémoire de forme, donc éviter qu'il veuille se rétracter. Pour ça, il va falloir que je chauffe le plastique à 90 degrés. Et ensuite, en principe, il devrait rester à sa place. Maintenant, c'est vrai que j'ai vraiment tiré dessus, vous voyez que là on a quasiment 2,5 cm. Alors on essaie de répartir sur la longueur, c'est pour ça que je le laisse décoller jusqu'ici au moment où je vais faire ma cannelure. Néanmoins, il faut vraiment des films de qualité pour arriver à passer ces éléments-là. Donc je vais continuer l'ensemble du diffuseur et je vous reprends tout de suite après. Même tout de suite.